On va prendre le chiffon ou le gant. Ah, le chiffon ou le gant? Oui, mais l'un ou l'autre. Et on frotte. Ah! Et regarde ce qui se passe. C'est génial, les boulettes dansent. Oui, on n'a pas besoin de frotter beaucoup. Frottez doucement, en fait, les enfants. Et puis, Alex, doucement. Oh ouais, ça marche trop bien. Ça va vite. C'est dingo. Oh, ça danse en dessous. Les boulettes, elles se font attirer. Ça marche chez vous, les enfants? Ouais, se font comme attirer. C'est dingue, hein? Ah, ça marche. Alice, Alex, ça marche? Et qu'est-ce qui se passe? Parce que quand il y en a un qui colle aux vitres, si on met le doigt dessous... Eh ben, il s'en va. C'est bon. Regarde. Bah, moi, c'est magique. Ouais, parfois, il revient aussi. Ah, c'est génial. Évidemment, il y a une vitre hein, qui est posée au-dessus. Et alors, l'aluminium autour est important aussi? Oui, c'est très important. Alors, est-ce que vous savez pourquoi ça marche? Alice, Alex, vous avez une idée, non? Électricité statique. Très bien. Électricité statique, c'est pareil pour vous? Oui. Oui. Est-ce que c'est ça, David? Qu'est-ce qui se passe quand je frotte la vitre? Bah, c'est ça qu'on demande. J'enlève les électrons. Donc, la vitre est chargée positif. Et le positif, ça attire le négatif dans la boule d'aluminium. Donc, ça monte. Mais qu'est-ce qui se passe quand ça touche? L'effet sera annulé parce que c'est un conducteur, donc il va recevoir les négatifs, donc il va retomber. Mais quand il tombe, il est encore attiré, etc., etc. Donc en gros, il s'attire, il se fait un bisou, il se repousse. Oui. J'ai tout compris. En tout cas, bravo les amis, vous avez tout compris les enfants? Oui. Oui. Très bien.